c'est l'actualité. Muriel a perdu hier. Donc c'est peut-être sa fin de carrière à ce qui paraît. Je me demande pourquoi il fait pas sa fin de carrière à Wimbledon, vu que c'est quelqu'un de Grande-Bretagne. Tu devrais pas à Wimbledon, t'as qu'à faire. C'est plus mythique, mais bon, voilà. D'habitude je prends toujours Pouille, donc je prends Pouille. Voilà, c'est un petit peu vite fait, un petit Open d'Australie. Il était mis à jour hier, le jeu. Pour les sponsors de l'Open d'Australie de cette année. Et deux nouveaux stades. De un qui est à l'Open. Là, je prends Lucas Pouille, vu que c'est lui que je prends en tuile, mais quand je vais juger un peu. Je viens de prendre Murray, tu vois. C'est bien fait quand même, franchement, la fesse là est bien fait, la play fesse. Je vais prendre Murray, pas trop fort, mais quand même assez bon et assez réputé. En même temps, c'est pour lui faire un petit hommage. Voilà, le premier tour, hein, alors que je ne joue pas contre Boyle. Je suis tête de série numéro 10, donc je pense pas avoir de problème. Là, ils jouent en 5-7, les jeux. Moi, je pense pas jouer en 5-7 et 8. Quoi que j'avais déjà fait avant, mais voilà. Voilà, j'ai mis la casquette, un peu vers ça, mais ouais, j'ai mis la casquette au moins. On voit que je suis largement meilleur que mon adversaire, que le Canadien. Là, pour choisir, je commence au Rod Laver Arena. Voilà. Il n'y a pas de petit terrain, ce que je vois. Normalement, au terrain créé, il y a des petits terrains, des petits cours standards, etc. Mais là, je vois que je commence directement dans les gros terrains. Peut-être que je suis un gros joueur, je sais pas. Allez, on va en mettre 5-7, c'est un peu long quand même. 3, c'est un peu emmerdant. C'est quoi, en mettre 1, on va faire vite fait un 6 jeux quand même, pour un minimum, on va être pro. Voilà. Voilà, on met quand même un peu de longueur avec 6 jeux, mais pas trop avec un set seulement, parce que sinon, voilà. En vrai, dans ma carrière, je mets les vrais nombres de sets. Hein. Je mets 5 sets au Grand Chelem et 3 au Master, comme je suis avec les hommes. Mais par contre, en jeu, je change. En Master, je crois que je mets 4 jeux. Et en Grand Chelem, je mets 4 jeux aussi. C'est un peu plus court, quoi. Mais je mets un nombre de 7. Ou en Master, je mets 6 jeux, peut-être. Je sais pas. Environ ça, quoi. Un truc comme ça. Ouais, il a été mis à jour hier. J'ai joué, franchement, ça va, c'était pas mal. Mais il n'y a pas de gros changement. Hein. J'avais dit qu'il allait faire une grosse mise à jour. Ouais, bof. En tout cas, c'est aucun plaisir de jouer à ce jeu. J'adore, hein. Franchement, j'adore. On peut jouer en double, etc. Bonne carrière. Parfait, sauf en ligne, mais bon, ça, on s'en fout en ligne, à la limite. On va laisser l'entrée du joueur qui est seulement pour le pont d'Australie. On va les gagner, hein, avec les noms. Cette entrée, il est exclusif quand on fait le pont d'Australie, c'est tout. Parce que vu que le jeu, c'est en fait Australia Open à haut tennis. Donc, c'est pour ça qu'il n'y a que cette cinématique qu'on fait le film d'Australie. Donc les vrais sponsors, et voilà, j'ai vu hier, j'ai eu le mode de Nishikori aussi ce matin, en direct, à TV de Voilà, les vrais sponsors, les sponsors chinois. C'est partout, hein. Musique, etc. Parce que c'est quand même un jeu australien. C'est par les Australiens pour l'Open d'Australie d'ailleurs. C'est un très bon jeu, franchement, c'est un très bon tennis. A chaque fois que je joue, je me dis putain, quand même, il est réaliste, il est trop beau. T'enlèves la manette et tu crois que toi, t'es en train de voir un vrai match de tennis. Ouais. Je reçois. C'est ça que je suis pas très bon en dur. Hein. Alors sur l'herbe, mais pas j'en parle. Il n'a pas fait beaucoup de matchs. Le plus que je joue, c'est
À part en carrière, que j'ai pas le choix. Mais sinon, si moi je joue en exhibition, je me tue en terre battue. Voilà. Vitesse de dur, 15. Et vitesse de balle, 90, parce que c'est du dur. Plus rapide que la terre battue. Voilà, un 7. Il faut rester vigilant. Murray qui sort déjà le cri. Normalement, je ne vais pas avoir trop de difficultés à battre le Canadien. Vu que Murray, quand même, il a quand même 81 environ, comme plus environ, 82 en général. On dit d'un bois. On sait jamais. Ouh là là, le revers contre-pied parfait. Pourtant, je sais qu'il a été grandement amélioré par rapport au début du jeu, hein, au début, bien sûr. Le bout de balle, etc. Franchement, c'est bien, on peut créer le personnage, comme j'ai souvent, comme j'avais déjà dit plusieurs fois, on peut créer le mec. Parfois pas réaliste, mais parfois vraiment comme Doré, tu vois, très bien fait. Avec leur habit, etc. La communauté, elle a bien suivi. Même au niveau des stades. Maintenant, quand on fait un tournoi de Roland-Garros, on démarre par les petits stades quand on crée aussi la communauté. Pour aller petit à petit au grand, au Susan Langen, etc. Au Sutrier. Ça, c'est une belle mise à jour aussi. On crée vraiment un parc. De Roland-Garros, etc. Vraiment un bien joué. Tranquille. Franchement, ça commence bien pour Muriel. Peut-être un jeu blanc sur le service de vol. Voilà. Quand le service de Muriel, j'arrive pas encore à m'adapter. Je me suis pas trop adapté, ce qui sert beaucoup plus vite que Pouille. Donc, j'ai pas encore habitué au timing. Voilà, s'il ne bidait pas, hein, comme au basket, je suis sûr. Là, je vais me taire à ce point pour vraiment voir le réalisme que nous trouvons dans un vrai match. Non, pas du grand terrain, mais. C'est vraiment. Tu mets ça à la télé, on dit que c'est vrai presque. Fait vraiment du visage, hein. Ça c'est déjà créé, c'est pas directement dans le jeu quoi. On va voir ce lift, ce coup droit. Encore un jeu blanc peut-être pour le Canadien Boy. Un jeu blanc. Chaque pro se pose la difficulté qui me convient le mieux. Vétéran, après il y a vétéran, légende, je sais pas quoi. Et grand chelem. Encore 3 niveaux de difficulté, c'est chaud. Et là, je ne mets pas d'essai. Mais pro, voilà, pro, c'est assez réaliste, en même temps, c'est pas facile. Ça me connaît parfaitement. Ils font des fautes, ils font des beaucoup, ils luttent parfois même. Parfois, je fais des matchs. Avec Naomi Osaka, genre. Elle a 81. Mon adversaire, la fille, elle a 60. En carrière. Parce que moi, je fais une carrière homme avec moi et une carrière avec Naomi Osaka en fille. Et bien, la gamine de 60 en overall, mais franchement, hein, des fois, elle me cause beaucoup de problèmes. Donc, c'est réaliste. Surtout depuis qu'ils ont arrêté la manière de jouer des joueurs. Non, on peut les faire monter au filet. Leur degré de motocyclisme même. Elle est faute.
même pour les joueurs créés, on peut maintenant mettre leur montée au filet. Si c'est plus des joueurs au filet ou de fond de cours. Donc c'est pas mal, hein, c'est pas mal. Il y a plusieurs options qui ont été bienvenues. Avec les saladeurs aussi. Moi je mets peut-être jeu lent parce que c'est trop rapide et c'est parfaitement. J'adore. Encore un jeu blanc, hein, trois jeux blancs d'affilée, c'est rare. Hein. Avec la musique. Voilà, ça c'est exclusif à l'Open d'Australie. Hein. Comment ce stade, le stade c'est cette année. C'est le vrai stade, hein. Il a été mis à jour hier, on va dire. J'ai rejoué, j'ai le même joueur que par hasard. En tout cas, c'est une très bonne tenue, c'est vraiment téléchargez-le, même si je ne suis pas beaucoup, mais franchement, c'est toujours un plaisir que moi je reviens. Avec grand plaisir, puisqu'il est complet. Autant en solo, qu'en carrière, qu'en exhibition, ou que ce soit même des compétitions, des tournois, de Garros, etc. Franchement, c'est nickel quoi. Voilà encore le point d'Andy Murray là, qui canarde l'adversaire qui ne peut vraiment rien faire. Hein. Zéro point pour l'adversaire pour l'instant. Et zéro faute, moi j'ai fait zéro out pour l'instant. C'est vraiment une... Ah ben voilà, un amorti. Un slice. Le premier point d'adversaire. Un petit point, mais bon voilà, il fallait bien qu'il marque un jeu quand même. C'est pas mauvais. La fatigue. Ou là, un pas aussi, mais la fatigue. J'ai enlevé la joie de fatigue, mais en fait, elle y est. Plus au corps, etc. Mais bon, là, le mec, je pense qu'il est plus facile que moi, vu qu'il est moins bon en général, en statistique. Je pense que la fatigue aussi, l'endurance, elle est moins bonne largement. Quand tu passes la fatigue, elle se répercute tout le long du tournoi ou pas quand même. En carrière, ça se répercute la fatigue. Elle fuit le cours. Mais pour être comme tournoi normal, je sais pas, ça peut-être que ça a des répercussions, faut voir. Et moi, je mets qu'un jeu. Le jeu, il fait 5 jeux d'un bois. Il fait 5-7. D'un bois. Ils m'ont gagné mon service, le beau gars. Il m'a gagné mon service, hein! Oh boy, qu'est-ce qui t'arrive là? On va tout de suite le remettre à la raison. Pour qu'il prenne confiance, on sait jamais, hein! On sait jamais, un service à 105 km/h, c'est très très faible, hein, franchement. Mais moi qui suis nul, je suis pas tant faible. Beaucoup de doubles fautes. La pression peut-être pour Bold dans ce grand stade. Mais quand même un peu étonné de ne pas démarrer d'un petit stade. Normalement, on démarre d'un petit stade. Bon. Après, il faut voir qui est qui aussi. Deux doubles d'affilée. On sent la fatigue. On sent la fatigue. Voilà, là, je crois qu'il va faire que des doubles fautes, quoi. Même les voir, vous voyez qui attaque. Ouh là 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 là, le contre-pied, c'est dommage. C'est dommage. Il y a encore deux balles de rec, je pense quand même que je peux me le faire. Sous double faute à répétition. Ça va le coûter quelque cher. Faute, voilà. Dehors. Mal.
on s'est mis le stade, sa résonance, etc. Pour moi, c'est très, très, très bien. Moi, j'adore ce jeu. Toujours quand je joue, moi, je l'adore et je le répète, j'adore. Quand je suis pas un grand, grand fan de tennis, peut-être pour ça aussi, je sais pas. Mais j'adore, franchement. Et souvent, je reviens avec plaisir, souvent. Pas seulement dans les grandes compétitions, parce que j'y joue en décembre, pourtant, il n'y avait rien, quoi. C'était les vacances. Donc, je reviens avec plaisir. Après la carrière, j'y mets un peu en suspens, j'avoue. Au profit de petits matchs d'exhibition ou de tournois de Roland-Garros que j'ai cru nommé. Bon, c'est toujours un plaisir de rejouer. Oh, oh, tu me réveilles, pas bouger là. Il n'y a pas de bugs quand même. Hein. C'est rare, il y a des bugs. Hein. Aussi j'aime bien les développeurs parce qu'ils aiment bien être à l'écoute des joueurs sur Twitter, etc. Oh, mais là, le jeu. Aïe 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 aïe, encore mon jeu de survie qui va être piqué par l'adversaire là. Ça va faire deux fois, c'est bon ça. Ouais. Ouh, le passing. Quand les amortis, j'avais pas trop à le passer. C'est rare que j'arrive à marquer l'amorti. Que j'arrive à marquer le point avec l'amorti. C'est rare. Il est là, il va réussir à reprendre ce coup. Imagine. Ça, c'est rare que j'arrive à marquer avec l'amorti. Ouh là là. Il a mangé le coup. Et voilà, il m'a mis sur moi après le milieu. C'est le champ libre. Advantage. J'ai juste le profil de l'adversaire. Quand on voit le tableau des statistiques au début de partie, c'est vrai que l'adversaire est moins bon au coup droit ou au revers que notre façon de taper la balle. Il faut profiter pour jouer sur ça. Ce point est faible pour que je fasse plus de fautes, etc. Ouais, je pense qu'il a abandonné là, ça y est là. 6-1 pour moi, ça va être tranquille. Un premier tour assez simple, on va dire. Et voilà, t'as vu quand même le galif du jeu. Même si je pense que tu savais déjà avec le top spin que tu me disais sur PS3. Mais bon, moi, Formule, ça me connaît parfaitement. Et puis toi, tu peux l'avoir gratuitement, là, franchement. Pourquoi t'as kiffé? Oh, j'ai failli le mettre, t'as dit. Ça tout ça me gérait un petit peu. En cas de sport, franchement, je me suis rendu compte que c'est vraiment une jugulée infinie en fait. Tout à l'heure, j'ai joué à PES aussi. T'as eu 19 quand même. J'ai toujours envie de l'acheter, mais je peux pas. Même s'il est pas cher, sûrement au Play Store français, jeu, il sera encore en promo, sûrement. Mais bon. Ouais. C'est du sport, c'est infini en fait. Lui, NBA, etc. Franchement, ça va. Ça prend beaucoup de temps en fait, on dirait pas comme ça. Même juste un match amical. Bon, balle de match, allez, ça va passer vite. Allez, un beau petit coup pour le dernier. Allez, encore une balle de match. Allez, fais péter, Murray. Fais péter la sauce.
96 000 €. Je m'attendais que lui, il me fasse service de l'autre côté. Il a voulu me refaire là. Oh, il n'est pas vertueux ici. Je t'attends quand même un peu. Oh là là là, oh là, oh là là. Oh, ça c'est pas beau. Ça c'est pas beau ça. Ça c'est vilain ça avec le filet. Il est bien mort, tiens. Putain, il a bien brossé et tout la balle. Il a un bel effet là. Ouh, cela dit. Même le plus qui. Les petits. Ouais, pourquoi j'ai pas compris? Je vais le faire en amorti. C'était pas une balade quoi pour faire un amorti. Oh, ma balle de match elle est partie là. Hein. Mes balles de match elles sont parties là. Et oui, j'ai fait cavaler le petit. Moyenne de chance 7. C'est vrai qu'il y a beaucoup moins de chance qui sont durs, hein, qui sont battus. C'est plus rapide. Là, il faut vraiment être vif. Et bien temporiser. Ouh, l'amorti! Eh! Endormant, allez, vas-y, ah, fais péter la meurtre, vas-y, t'as quelques balles de match. Moi, j'ai préféré. Fais-moi ce retour impeccable. Et bim, l'onaline. Oh, il est monté au filet. Il est monté au filet, le bougre. Eh, il m'a sorti, vol. Eh, là, il attaque, il a attaqué. Oh, t'as pas que je joue là. Un goma, un goma. Allez, pétez la ligne de revers. Contre-pied. Et voilà. Qualification d'Andy Murray pour le deuxième tour. En 15 minutes. Voilà le résumé du match. 11 coups gagnants et 4 fautes directes à peine pour moi. Ça va, c'est pas mal. Oh, Dubec. Et on voit que Gasquet s'est qualifié le bougre, même Thiem. Ah, Thiem Gasquet, ça va être un bon match hein, au troisième tour. Au troisième tour, ça va être un bon match. Oh, si je gagne, je vais faire le numéro 20, le 20e tête de série. Voilà, ça va être chaud. Avec ça, il y a qui aussi comme combat intéressant? Il n'y a personne pour l'instant. Il y a Tsonga contre Edmond. Il y a celui qui était le japonais comme Dimitrov, bon, il va se faire casser les reins, je pense. Nadal, hein, contre Davenport. Et Thiem Roannik, ça va être un beau match, ça aussi. Pourtant, tous les gros ont l'air d'être là, hein. Anderson, contre Nishikori, ça c'est pas mal. Zverev qui va gagner sûrement tranquillement.
l'instant, je vois que les gros sont là. Pour l'instant, je vois que les gros sont là. Chili, tiens. Mon fils Fujini, ça aussi, ça c'est pas mal. Et ils sont là, les têtes de série. Ils sont là, les têtes de série. Des fois, Trokovic. Oh, Bautista Gonkofin. Il est ouf derrière. Poulkov Isner. Oh, pas mal. 17 contre 7, c'est pas mal. Djokovic va gagner plus facilement aussi. Et d'ailleurs, je vois pas ce derrière. Oh, il est ouf derrière. Il est à de l'arpage. Ah, c'est derrière, ouais. Contre le Kasahara, le japonais. Pas mal, c'est pas mal. Ça risque d'être un bon. En tout cas, au prochain, si moi je gagne au troisième tour, ça risque d'être un très bon match. Moi, je vais être là tranquillement.